Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo premium. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué. Alors vous allez voir un petit tour automatique. Et oui, parce que c'est très bon aussi les tours automatiques. Un tour très sympa, facile à faire, c'est totalement automatique. Dès que vous avez le secret et l'astuce, vous êtes capable de refaire le tour immédiatement. Vous allez voir, c'est pourtant incompréhensible pour les spectateurs et même les magiciens. C'est le genre de tour qu'on fait aux magiciens parce que les magiciens, ils ont des bases en manipulation. Et là justement, sans la méthode, ça peut les bluffer. Donc voilà, je sais que certains cherchent ce type de tour un petit peu pour agrandir leur répertoire. Comme d'habitude, la démo et l'explication, c'est dans la description, bien sûr, c'est uniquement pour ceux qui ont souscrit à Tuto Magie Premium. Voilà, c'est du contenu exclusif en plus que je fais chaque semaine, indépendamment du vendredi. Voilà, le lundi, c'est du contenu en plus, donc voilà, je double le contenu, ça n'enlèvera rien au contenu de la chaîne depuis des années. Les vidéos gratuites sont toujours disponibles le vendredi, le lundi, c'est du plus pour ceux qui me soutiennent via le Tuto Magie Premium. Comme d'hab, n'oubliez pas également de vous abonner si c'est pas encore fait, en cliquant sur la petite cloche pour être notifié également des futures vidéos mises en ligne. Et comme d'habitude, je vous invite à aller dans la description pour voir tous les liens, donc le lien de la vidéo explicative, le lien de l'école de magie, www.magistreaming.fr, les réseaux sociaux pour me contacter si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour la démo. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la démo, et pour ce tour, on va avoir besoin d'un jeu de cartes, de 52 cartes différentes, dans lequel le spectateur, et non pas seulement un spectateur, mais deux spectateurs vont choisir chacun une carte, alors de façon différente que d'habitude. Et avant toute chose, je vous montre qu'on peut même couper le jeu, hein, pour montrer qu'il n'y a pas une carte préparée sur le dessus ou en dessous. Vraiment, là, on ne peut pas faire plus clean. Alors, pour ce faire, en fait, à chacun des spectateurs, on va leur demander de choisir un nombre, chacun dans leur tête. Pour éviter qu'ils choisissent le même nombre, vous demandez à l'un qu'il choisisse un nombre pair et l'autre un nombre impair. Et pour éviter de faire rallonger le tour, hein, vous demandez un chiffre, allez, maximum 20. Mais il peut choisir vraiment entre 1 et 52, il n'y a pas de problème. Hein, mais voilà, on peut éviter que ça soit trop long. On va dire maximum 20, hein, pour la démo. Donc imaginons que le premier, je sais pas, choisisse là, à ce moment-là, je me tourne, hein, d'abord, et je tends le jeu au premier spectateur et je lui demande de prendre les cartes, de choisir un nombre. Alors imaginons qu'il a choisi 16, hein. Moi je suis tourné, il prend le jeu comme ceci, il distribue donc 16 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, il prend connaissance de cette carte. Alors je ne regarde pas le retour dans l'écran, vous la regardez, voilà, moi je ne veux pas la connaître, ça sera mieux pour moi pour que ça soit le plus honnête possible. Voilà, la carte est remise. On perd, donc là c'est le spectateur qui fait ça, et le spectateur donne ensuite le paquet au deuxième spectateur qui prendra et distribuera le nombre impair, parce qu'il a choisi un nombre impair, de cartes pour prendre connaissance de sa carte. Donc imaginons, on va dire, on va prendre 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc il prend également connaissance, je ne regarde pas, donc ça sera la deuxième carte, voilà, on repère comme tout à l'heure, il perd le tout et ensuite il coupe le jeu. Pour être sûr, voilà, vraiment que moi, il met ça sur la table et moi je me retourne, il me dit voilà, les cartes ont été choisies et à moi de les retrouver. Vous êtes d'accord que dans ces conditions, c'est impossible pour le magicien de pouvoir retrouver les deux cartes. Pourtant, juste en prenant le jeu et en se concentrant et en demandant aux spectateurs de se focaliser vraiment sur leurs cartes, voilà, grâce à son sens de divination, le magicien va être capable, juste en regardant un petit peu les cartes, une par une comme ça, une première fois, peut-être de sortir une première carte. Alors là pour le coup, je dirais, allez, on va dire celle-ci déjà, celle-ci je la sens pas mal, et tac tac tac, allez, on va dire celle-là pour la deuxième. Donc je sors deux cartes, vraiment deux cartes du jeu. Ça serait fort, hein, que les deux cartes choisies soient celles que je viens de sortir. Et pourtant la première, je pense que ça correspond à la première carte du spectateur, et celle-ci c'est la deuxième carte du spectateur. Bien entendu, le magicien ne touche à rien, c'est le spectateur qui fait tout, et pourtant vous êtes capable de deviner les cartes choisies. Donc là je sais pas, je le verrai dans le retour dans la vidéo si c'est les bonnes, mais voilà, hein, vraiment j'ai pas triché, j'ai pas regardé, et normalement c'est les deux cartes choisies par le spectateur via un nombre au hasard. Voilà.